got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah, in my bank account. Yeah. C'est la rentrée et forcément on pouvait pas me laisser avoir la rentrée tranquille. Je me réveille, j'ai un bouton là. Super, merci d'arriver aujourd'hui pile poil à temps. Il est plus à l'heure que moi, quoi. Bon, les gars, c'est la rentrée. Putain, ça. Je commence à 9h30. Sauf que j'ai rendez-vous avec mes potes là-bas à 9h pour qu'on se voyait un peu avant et tout. Je suis trop au bout de ma vie, les gars. Genre, je vais me préparer. Je vais partir vers 8h45. J'ai rendez-vous avec Luana à l'arrêt du bus à 9h. Ensuite, on va rejoindre les autres filles. Bref, faut que je me dépêche un petit peu. Ça va, je me suis levée tôt, entre guillemets. Et juste, c'est la première année où j'ai autant pas envie de la rentrée. Vous savez, la plupart du temps, chaque année, genre, je suis pas contente, je préfère être en vacances. Mais vous voyez, il y a une mini excitation la veille où on se dit, bon, bah, tant qu'à y être, autant y être. Là, j'ai déjà ma classe, j'ai tout, et ça me saoule. J'ai aucune envie d'y aller. C'est la première fois où j'ai autant pas envie. Genre, j'ai vraiment 0% d'envie. Même, j'ai des pourcentages négatifs d'envie d'y aller. Genre, il n'y a rien qui me motive, il n'y a absolument rien qui me motive cette année. Bref, on va y aller, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, voilà, je vais me préparer, je vais faire mes cheveux, je vais me faire un wavy. Là, je me suis laissé hier. Je vais me make-uper. Et voilà. Tout le temps, je ne déjeune jamais. Genre, on me dit souvent, mais t'as pas vu manger, tu manges pas, machin. Non, je déjeune jamais, j'aime pas ça, je vais pas faire semblant pour la vidéo. Je déteste manger le matin, je me sens pas bien après quand je mange le matin. Genre, j'ai aucune envie de manger, je sais qu'il y en a qui disent c'est le repas le plus important. Ça fait 17 ans que je déjeune pas et je vis très bien. Non, mais j'aime pas. Il y en a, ils sont pas faits pour manger le matin, moi, ça me dégoûte. Genre, je m'en vais pas me lever et manger, genre, ça me dégoûte. Pourtant j'adore bouffer. Bref, là j'ai juste me make-uper. Le plan est pas archi beau, mais genre j'ai juste me make-uper. Je vais faire mon teint, cacher cette merde, mes sourcils, du mascara, de la liner. Et voilà. Enfin, mon teint, je vais juste mettre de la poudre et cacher les imperfections, je pense. Donc au passage, je vous raconte vite fait un petit peu le programme de la journée. Alors, c'est pas un programme de ouf, hein, c'est la rentrée. Donc ce qui va se passer, je commence par de la poudre matifiante. Là je commence par ça parce que hier comme je me suis hydratée la peau avec un masque, ma peau elle est archi brillante. Donc avant de commencer tout make-up, je la matifie. Voilà. Alors mon programme de la journée, là je vais en cours. Putain, ça me fait bizarre de dire ça. Enfin hop, j'ai la rentrée et tout. Et nous en fait ce qui se passe c'est que là par exemple je commence à 9h30. Ah, on a un bizutage en plus. Mais j'espère qu'ils vont pas m'avoir. J'espère qu'ils vont pas. Enfin, en fait, les quatrièmes, si vous voulez, au collège, les quatrièmes, enfin, collège, c'est pas la même chose. Là, en gros, je rentre. Ah oui, on me demande tout le temps en quelle année je suis. Là, je rentre en l'année du bac. Genre, je suis choquée. À la France, en fait, c'est l'année du bac, là. En gros, j'ai 17 ans. J'ai fait 17 ans le 24 avril 2002. Donc voilà, je vous laisse calculer, j'ai jamais doublé. J'ai commencé l'école à l'âge normal. Enfin, voilà. Mais en gros, là, je rentre en année du bac, sauf que moi c'est pas le bac, en vrai je rentre en 3ème. Pour les Suisses, je rentre en 3ème de l'ECG en social et je souhaite faire ma matu socio-éducatif l'année prochaine. Ce qui est un peu chaud, vu qu'il n'y a qu'une classe dans tout Genève, que 26 places dans tout le canton. Tranquille. Mais bon, bref, je veux être prof, donc voilà. C'est vrai que je me débrouille pas mal en make-up, mais par contre, j'ai jamais eu de l'acné et tout, du coup, genre, je sais pas, j'ai un bouton et que je vais le cacher, ça marche pas. Je sais pas du tout faire. Oh, c'est 8h14, je dois trop bouger. Bon, j'ai clairement pas réussi. Bref, en gros, je vais faire ma rentrée et tout le matin, ils nous donnent nos classes et tout. Et on commence tous officiellement les cours à 1h30. En fait, par rapport à notre programme de l'après-midi, si l'après-midi on commence à 3h sur notre horaire, bah on commence à 3h. En gros, les cours ils commencent l'après-midi. Donc à midi on va tout manger avec les filles de la classe d'année passée que vous avez vu dans ma vidéo. Après l'après-midi je vais en cours. J'arrive pas à y croire, putain. Et à 4h je vais peut-être rejoindre Andrina. Andrina, c'est mon bébé d'amour, ça peut être à moi. Que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu dans mes stories.
quand on s'était expliqué avec une certaine personne, il était juste derrière moi dans le snap et il me défendait. Et voilà, c'est lui. Du coup, je vais peut-être le voir un moment après. On verra. Bon, let's go. Il est déjà 9h-10, comme d'hab, -5, je suis en retard. Mes cheveux, voilà, vous avez vu, le make-up vous avez vu, petit look finalement, j'étais pour ça, alors c'était pas du tout prévu, j'ai mis un petit haut comme ça, oui on voit mon ventre, mais moi, enfin dans mon école, genre, il n'y a aucun problème et tout, genre mon haut là, il est comme ça sur les épaules et on voit mon ventre, je monte tout le temps mon ventre en fait, bref, comme ça, hop, et les petites Vans qui passent toujours crème partout, et mon sac, vous savez, c'est les comme ça, les conconnes là, je sais pas comment on dit, voilà, je dois y aller. Bah là, il est 9h, je suis en train de marcher, j'ai rendez-vous maintenant à l'arrêt normalement, mais là j'arrive dans genre 5 minutes, Loana va m'appeler en furie. Ah bah voilà, elle vient de m'envoyer un message, j'allais dire Loana va m'appeler en furie parce que je suis en retard, mais bon, bref, là j'ai un peu, je stresse un peu, alors je stressais pas du tout et tout, là je stresse un petit peu, juste revoir des gens ça va un peu me saouler, et je suis toujours un peu stress. C'est bon, Loana vient de m'envoyer un message comme quoi elle est aussi en retard. Yes. Le comble là c'est que je vais arriver avant elle en plus. Loulou. Bref, genre j'espère vraiment, vous savez, je vous ai dit dans ma vidéo sur mes fournitures que j'avais ma classe et tout, j'espère vraiment que ces listes elles ont changé, même si c'est très très peu probable, mais bon, on croit toujours les dents, on sait jamais, mais non, après je me fais des fausses espoirs. Et pour tout vous dire, cette année d'habitude je m'y prends grave à l'avance, là j'ai dû faire ma trousse en furie hier soir parce que j'avais oublié, et là mes chaussures, c'est les chaussures avec lesquelles je suis allée en boîte la semaine passée, du coup je les ai prises et j'avais oublié, elles étaient genre archi genre sales et tout. Et le truc c'est que toutes mes autres chaussures ça va pas avec un petit pull violet comme ça. Du coup genre j'ai dû vite les nettoyer et tout. Et du coup ça va. Y'a Loulou qui m'appelle. J'entends Laura. Bref les gars, je viens de retrouver Loulou. Regardez, il est pas trop cute. Là on venait de parler vite fait du fait que on n'est pas dans la même place. On le vit comment? N'en parlons pas. Là on va aller au lycée et tout, du coup je vous laisse. Bon les gars, I'm back with Luana and our life. Oh my god. Coucou. Pour ceux qui... Vous avez vu, elle s'était blonde. J'avais même pas remarqué ce matin en fait. Mais bref. C'était déjà pour ceux qui viennent de... Enfin qui connaissent ma vidéo une semaine au lycée, vous les connaissez, mes acolytes. Elles sont ensemble dans tous les cours et je suis dans aucun cours avec elle, sauf avec Aurélie, je suis en musique et on est ensemble les trois en gym. Oh non, mais c'est trop. Et en gym, c'est pas sûr encore. Et en gym, moi, c'est pas sûr qu'on prenne la bonne. Pas sûr, je suis. Donc on prenne la même filière en gym, je sais pas comment on dit, bref. Foot. Le même truc. Foot. Je pense que ça va prendre foot, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bref, sinon, ma classe. Je vais rien dire parce que je les connais pas trop. Mais sinon, il y a quelques potes à moi, mais sinon, je les connais pas trop. Et attendez, à toi, oui, alors, pire. Quand on parle de pire, vous voyez, on est classé par Géo Histoire. C'est la seule de sa classe à être en histoire, je suis la seule de ma classe à être en Géo. Et en fait, je suis allée voir mon prof principal de l'année passée, parce que c'est de nouveau leur prof principal. Et je lui ai demandé comment ça se fait que je suis en Géo, mais je me retrouve pas avec elle. Et en fait, il a dit que Luana et moi, ils nous ont échangé sans faire exprès. Ça veut dire que moi, je devais me retrouver dans la classe à Aurélie et tout le monde. Et Luana seule. Alors, ils nous ont confondus. Elle a un peu sa classe. Tu m'as volé ma place, mais totalement quoi. Mais bon, vas-y, je vois. Putain, là la chance comme never, mec. Voilà, ils m'ont même pas mis en. Comment Yoko Cho là, je sais pas quoi. Taiji. Taiji. Taiji, bref, ils m'ont pas mis en Taiji, ils m'ont pas mis où je voulais. Et ce qui concerne mon horaire, j'ai un horaire. Je te jure. En ce qui concerne mon horaire, j'ai un horaire pas fameux, mais ça va, c'est respectable. Mon jeudi, il est trop chill. Mon jeudi, j'arrive à 8h, j'ai 2h de musique. Bon, déjà, faut avoir la motivation pour venir faire juste ça. Avec Aurélie. Ensuite, bah, ça va être ma motivation, Aurélie, de venir. Bref, ensuite, je rentre chez moi, je recommence à 3h, donc je finis à 10h, je recommence à 3h, 2h d'allemand, je rentre chez moi, donc 4h dans la journée, genre. Ah oui, et si on vous demandait de prendre un truc comme ça, sauf elle, parce que Askip elle est allergique, hein, c'est parce que genre quand on arrive au collège et tout, ils nous font, enfin ils nous font le bisoutage, genre ils nous mettent des trucs. Ah. Et là encore c'est facile, vas-y, ils voulaient me faire un cœur sur le fond, mais faut pas abuser. Elle dit elle est allergique, comme ça il faut rien. Elle aurait dû partager, c'est la seule fois. Et toi pourquoi t'as rien? Non mais j'ai pas ça. Ah. J'ai des rifles là.
bon, du coup là il y a des petits trucs de salade et tout, du coup on va manger au McDo. Ma vie. Oh my god. Arrête de crier. On t'était ouverte. Non mais c'est quoi le problème de votre pote en fait? Regardez comment elle me juge. Non mais c'est pas normal de manger par terre. Moi j'ai dit ça en mode genre c'était pas sérieux. Après je vois la meuf. Faites dans les commentaires. On est mieux en mangeant par terre en mode là ça fait pas bien. Ou regardez comment elle galère pour ça. Non mais elle se plaignait parce qu'on était sur un banc. Mais genre à quel moment tu vas te mettre sur le goudron? Il y a tout qui tombe. Faut s'organiser, c'est tout. C'est juste d'organiser. Non mais quand les oiseaux ils vont venir t'attaquer. Je suis un peu ça. C'est putain. Vrai. Ça c'est quand tu prends un paquet de chewing gum en place. En plus on a assuré back to school. On dirait dans Peps, non? C'est le banc. Grave! Non, regarde, toi, je fais. Là, je fais comme ça. Après, là, tu passes, moi. Aurélie, tu peux pas faire comme ça. Et Aurélie, tu passes là. Non, mais attends, mais moi, après, il y a un blocage. Genre, attends, bah, fais dans le sens. Si je fais comme ça, là, c'est lourd. Oui! Ok! Attends, elle est où ta main? Non, mais genre, c'est naturel. C'est pas naturel, ça. Attends. Hé, hey, Laura. Attends. Me mort d'incompréhension. Non, fais la miniature. Non, j'y connais. Ah, bravo. Ok, 1, 2, 3. J'ai mon fils. Vas-y. 1, 2, 3. Mais pourquoi tu fais pas? Attends. Regarde, tu débarques à la rentrée comme ça. Attends, faut qu'on voie le McDo. Mon fils, putain. Ah oui. Ah oui. N'importe quoi, putain. On a vu, là, on a vu Dubaï. Tu vois comment elle est? Elle a tout. J'ai jeté. Alors que quoi? Alors qu'elle a la tout. Elle a la tout. C'est des chez McDo dans mon sac. J'ai jeté mon truc dans la poubelle. C'est où? Oh, attends, il est là. Hey bitches. Okay guys, I must say of you. Ça fait une minute je parle bien anglais, là c'est un échec. Hey, this year I'm on the big shit because I have any English lessons this year, but the next year I have again English. Non, en gros, les gars, je viens de remarquer qu'en fait ils m'ont pas mis anglais cette année et j'ai de nouveau anglais l'année prochaine parce que en fait j'ai en pédagogie, du coup c'est un peu différent. Du coup, j'ai que allemand et j'ai pas d'anglais cette année. C'est quoi ça? Déjà de 1, je voulais progresser pour progresser. Et de 2, j'aime l'anglais. Et ils m'ont saoulé là. Du coup, j'ai que allemand et anglais. Ça recommence l'année prochaine, genre après un an sans rien faire. C'est trop chelou. Bon, du coup, on fait un petit tour en ville parce que bah, on a rien à faire. Genre. Ah oui, c'est trop chelou. Il y a Tally Whale. Et il y a une abonnée qui avait demandé si elle pouvait écrire mon nom à Tally Whale. Coucou, si tu passes par là. Et je trouve ça archi chelou. Du coup, je crois qu'il y a mon nom. Enfin, le nom de ma chaîne YouTube, genre. Mur, tu peux écrire des trucs. Les gars, si vous me connaissez bien, là, on va où? Je vais à 3 secondes. 1, 2, 3. Just bubble. 29 degrés, la rentrée. C'est pas une belle lumière. Bon, du coup, il est genre 1h. Les filles, elles sont allées en cours. Moi, je rentre chez moi parce que, en fait, je commence à 3h. Ça me saoule. En plus, avec les filles, on a un bas maths. Et en fait, genre, elles ont les 2h juste avant moi, la même prof. Ça veut dire qu'elles, elles commencent l'après-midi de 1h30 à 3h, elles ont maths. Quand elles partent, moi, je viens avec ma classe et on fait maths et je finis à 5h. Horrible. Il n'y a qu'un jour de la semaine où je finis à 3h, donc ça pue. C'est nul, mon horaire est nul. De toute façon, j'ai jamais de chance pour ça, j'ai jamais eu des horaires bien, donc bon, limite, je suis habituée. En gros, je suis dans aucune classe de Loulou, enfin Luana, à part en gym. Si on prend la même option. Et Aurélie, je suis avec elle en géo normalement, en musique et en gym. Du coup, voilà. Les gars, je commence les cours dans 20 minutes, il faut un peu que je me bouge. Je me suis changée.
J'ai pas d'énergie, mais là j'ai trop dormi à ma pause de midi. J'avais 3 heures et j'ai dormi, genre j'ai fait des mini siestes et tout. Parce que je suis genre archi KO, mon rythme de vacances c'était n'importe quoi. Si vous me suivez sur Insta et Snapchat, juste là, vous avez vu, je me couchais à des 6h, 7h du mat pour vous monter des vidéos. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Du coup, j'ai mis une petite jupe en jeans parce que j'avais trop chaud, toujours mes Vans et un t-shirt comme ça. Parce que ce matin, mon t-shirt rouge, lilas, ils me l'ont trop sali, genre avec le bizutage et tout, ça m'a trop saoulé. Du coup, j'ai mis celui en noir, c'est quasiment le même, mais en noir. Voilà, avec la petite jupe. Faut que je me bouge, je commence dans 20 minutes. Ah. Toute notre vie, on est aux toilettes, les gars. Je te jure. Aurélie, ça... on pense à toi parce qu'on danse. Je danse mal. Ah, je rêve. Ouais. Je rigole. Oh. Regardez comme elle est trop belle. Oh, surtout. Bisous. Bon, en gros, voilà, j'ai fini ma journée. J'ai eu que 2 heures de maths aujourd'hui, du coup. Et là, je devais aller voir Andrina après, mais en fait, lui, il est dans une autre école. Du coup, il commence les cours officiellement. Et il est rentré aujourd'hui, mais il commence les cours officiellement demain. Du coup, il avait oublié que j'avais. Donc, il m'a appelé 3 fois et tout, mais j'étais en cours. Du coup, bah, après, il se dit que je le prenais pas, donc il est parti. Voilà, du coup, là, je vais rentrer. De toute façon, je suis genre archi crevée. Je vais me reposer. J'ai déjà des devoirs de maths pour demain. Genre 5 exercices, ça me fait un peu, mais je vais faire. Et je viens d'apprendre que genre cette semaine je dois rendre un méga travail de TPC qu'on devait faire pour mes vacances. Bon, c'est vrai que j'ai la facilité en maths et tout, mais c'est vrai que là j'ai des devoirs, mais je suis pas quelqu'un vraiment qui fait trop tous les devoirs. Enfin, genre j'oublie souvent, je tiens pas trop à ça. Mais de toute façon, il y a le vérifier même pas devoirs, enfin, en mode c'est si on veut, on est même pas obligé. Mais là, je me dis cette année, je vais vraiment m'y mettre plus. Puisque les autres années, je faisais un peu au début de l'année. Et après, je zappais beaucoup. Mais là, je vais genre vraiment les faire et tout. Je vais même pas aller dans ma chambre encore. Je vais juste me poser à la cuisine, faire mes devoirs tout de suite. Comme ça, c'est fait et après, je suis tranquille. J'ai fini mes devoirs enfin, je suis trop contente. J'ai pris environ 45 minutes. J'avais 5 exercices à faire, mais c'était long. C'était long. Bon, je suis pas archi rapide, je suis pas là non plus comme ça, enfin, pas possible. J'aime bien prendre mon temps, mais c'était quand même assez long. Et aujourd'hui, du coup, j'étais en place avec Awa et tout, qui était dans ma classe. Et regardez, elle m'a rapporté des bijoux du Sénégal. Un petit collier comme ça, trop mignon. Et un bracelet comme ça. Attendez, celui-là. Trop chou. C'est vraiment des trucs typiques que j'adore. Regardez comment c'est mignon, vraiment une petite attention qui fait plaisir. Ça m'a illuminé ma rentrée. Bref, j'ai fini, je vais me reposer. Voilà. Oh my god! Bon les gars, nous revoici, nous revoilà. Il pleut. 1 mois et demi après, 30 cm de cheveux plus tard. Je vous expliquerai pourquoi, le pourquoi du comment. Je suis grave une antisociale là. Je vous expliquerai le pourquoi du comment ses cheveux dans une autre vidéo qui sera en même temps le débrief un peu de ma permanence où vous m'avez énormément harcelé, je dirais même. J'ai acheté ce haut hier chez Zara, je le trouve trop beau. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je suis là pour vous faire un débrief 1 mois et demi après de ma rentrée. J'ai pas posté cette vidéo avant parce que honnêtement là j'ai trop d'épreuves ces temps. J'ai que des bonnes notes, du coup je suis super contente, mais je fais que taffer en même temps, donc voilà. Franchement, je tape jusqu'à des 3h du mat, je sors des cours à 5h, je vais à l'Uni jusqu'à 23h, je rentre chez moi, je tape jusqu'à 3h du mat, enfin, j'ai l'impression que je dors plus quoi, bref. Mais j'ai que des bonnes notes et voilà. Mais là, la troisième, franchement, la deuxième, j'ai quasiment rien foutu, j'avais des super notes. Là, la troisième, faut vraiment bosser, mais si on bosse, on a des bonnes notes, mais il faut vraiment bosser. La troisième de l'ECG, les gars, c'est pas de l'eau. Moi, j'avais des a priori quand j'étais au collège avant de passer à l'ECG en mode ouais, parce que pour les Suisses ils vont comprendre, les autres ils vont pas comprendre. Je me suis dit l'ECG ça va être facile machin tout. Et pour faire ce que je vais faire là prof, non c'est pas facile. Mais bref, du coup je viens vous faire un débrief 1 mois et demi après. Pourquoi j'ai pas sorti cette vidéo? Parce que voilà, de 1 justement je disais j'ai trop travaillé. De 2 j'ai eu un moment où tout simplement j'avais plus envie, ça me saoulait, j'adore tourner des vidéos, mais le montage, je vais pas vous mentir, je le déteste.
faire du montage. Des fois, quand je suis dedans, j'apprécie, mais j'ai toujours la flemme de m'y mettre, c'est tellement long, vous vous rendez pas compte. Là, on est mardi, d'un mois et demi après, je viens d'avoir la gym, ce qui explique le... Voilà. Là, après, vous savez, rentrée scolaire dit j'ai appris plein de choses, j'ai été déçue, j'ai eu des joies, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des émotions, plein de trucs qui me faisaient avoir la tête un peu ailleurs. Voici, me revoilà, je suis repartie. Je vais vous dire un peu mes horaires, mes cours, si j'ai déjà eu des notes, mes profs. Du coup, voilà. Alors, j'ai un horaire vraiment pas cool. Je trouve que j'ai vraiment un mauvais horaire. Je finis tous les jours à 5h, sauf le jeudi. Mais bref, je vais vous dire mon horaire. Le lundi matin, je commence avec 2 heures de géo. J'ai mon prof principal de l'année passée. Du coup, je suis avec Aurélie et je suis complètement avec l'autre classe, en fait, dans la classe avec laquelle je voulais être. Et franchement, c'est cool. Après, j'ai 2 heures de français. Français, j'ai un prof vraiment très exigeant. Je sens que ça va être chaud avec lui. Mais en soi, ça va, je suis avec ma classe principale. En ce qui concerne ma classe principale, bah justement, je la connaissais pas du tout au départ, je vous avais dit. Mais finalement, j'aurais allé plutôt trop cool. Et voilà, je m'entends bien avec tout le monde. C'est vrai que de base, je préférais être dans l'autre classe parce que de l'autre classe, il y en a que je connaissais très bien. C'était mes potes de ouf. Enfin, c'est mes potes de ouf. Il y en a que je connais très bien. Il y en a que je connais de vue. Enfin, je connaissais tout le monde au moins de vue, vous voyez. Mais là, ça fait de nouvelles rencontres et franchement, ils sont cool. Il y en a que j'avais jamais vu. Du coup, voilà, vraiment rencontre. Dites-moi si vous aimez bien mes cheveux. Moi, je suis en pleine acceptation de moi. Franchement, on va pas se mentir. Depuis que j'ai dû les couper, je suis en pleine dépression. Mais bref, voilà. Ensuite, j'ai 1 heure de maîtrise, ça sert à rien, mon prof principal, c'est baillé, mon prof principal, c'est, en fait il est malade, genre, on dirait un enfant, genre, vous voyez, il va nous dire quelque chose, bah je l'ai en aucun cours, je l'ai qu'en principal, mais bon, c'est des barres, je vais partir en voyage étudiant avec lui, mais j'aurais trop voulu avoir un prof de français, par exemple, c'est des barres, en fait, genre, pour nous expliquer quelque chose, par exemple, la dernière fois il nous a fait, je vais vous distribuer une feuille sur des cours de yoga qu'il y a ici. Il a fait la position du yoga comme ça en classe. Enfin, vous voyez, c'est un peu envieux, mais c'est des barres, les gars. Bref. Ensuite, je finis à 12h50. Je recommence à 3h. J'ai 2 heures de maths. Ma prof est hyper cool. C'est vraiment la meilleure prof de maths que j'ai jamais eue. Elle explique hyper bien, elle est cool. Elle est trop gentille, elle est adorable. Enfin, je l'adore. Et ce que j'ai le seum, c'est que du coup, j'ai maths de 3h à 5h. Et le truc, c'est que Luana et Aurélie et sa classe, vous voyez avec qui je voulais être, elles ont cours de maths le lundi après-midi dans la même salle que moi, mais les 2 heures juste avant moi. C'est-à-dire qu'elles, elles ont de 1h30 à 3h et moi de 3h à 5h, je suis dégoûtée, on aurait tellement pu être ensemble, mais bref. Du coup, voilà, je suis née à 5h, ça c'est nul. Ensuite, le mardi matin, je commence à 10h, après j'ai 2 heures de sociologie. Le cours est plutôt pas mal, franchement. Ma prof... ensuite j'ai 1 heure de maths de nouveau. Après j'ai 1 heure de pause, donc je suis obligée de manger à l'école le mardi. Après j'ai politique et citoyenneté. J'ai eu le prof que j'avais eu en histoire en première année au collège. Et franchement il était sévère avec les épreuves, mais super cool sinon. Et là je l'ai de nouveau, du coup je suis contente, il est bon délire. Après j'ai eu 2 heures de sport, bah j'y sors. Et en fait, je vous ai dit au début de la vidéo, ça dépend de l'option qu'on prend. Donc en fait, là, j'ai pris tir à l'arc. Du coup, je suis avec Luana et Aurélie. Du coup, c'est trop bien. Du coup, on est ensemble au tir à l'arc. C'est des barges. Petit aperçu du cours de gym d'aujourd'hui. Je me suis blessée. Là, j'avais tout un bleu avec des bulles de sang et tout. C'est dangereux en vrai, tir à l'arc. Et du coup, voilà, on fait du tir à l'arc. Deuxième semestre, on a du handball. Et troisième semestre, on a du softball, vous savez, c'est genre le truc qu'on frappe avec un bâton comme ça. Genre. Bref, c'était un délire les sports. Ensuite, mercredi, je commence à 10h de nouveau. J'ai 2 heures de philo, la philo, le cours le plus pourri au monde, même si j'ai le meilleur prof. Franchement, c'est pas mon meilleur prof, mais ce prof, c'est un amour, il est trop mignon, c'est un petit vieux trop chou. Franchement, j'ai un hyper bon prof, mais on va pas se mentir, la philosophie, c'est un délire, quoi. C'est pas mon délire du tout. Ensuite, j'ai 1 heure de français. Et après je finis à 12h50 et j'ai pas cours l'après-midi. Ensuite le jeudi matin, mon jeudi c'est... J'ai toujours eu des jeudis horribles avec 9h, bah là mon jeudi vous allez voir, vous allez être jaloux. Je commence à 8h, j'ai 2 heures de musique avec mon prof que j'ai eu l'année passée, je vous avais dit. Si vous voulez voir comment il est un peu mon prof de français de l'année passée, mon prof de musique de l'année passée, allez voir ma vidéo une semaine avec moi au lycée. C'est un délire ce prof, il est malade, c'est vraiment le prof le plus tard que j'ai eu de ma vie je crois. Donc je commence à 8h, 2 heures de musique, je finis à 10h. Je recommence, donc je finis à 10h, je recommence à 1h30 de l'après-midi.
2 heures d'allemand, j'ai le même prof d'allemand que j'avais eu en première année du collège. Il est trop trop cute, c'est un nounours vraiment, mais après l'allemand c'est vraiment pas mon dada. Je suis une énorme merde, il n'y a pas d'autre mot en allemand. Mais bon, je suis obligée de continuer, j'ai pas anglais cette année, je vous avais déjà dit. Donc je recommence à 1h30 et je finis à 3h. J'ai 4 heures, dont 2 heures de musique, donc mon jeudi c'est pépite. Bon, par contre le vendredi du coup il se redéfoule. Hein. Je recommence, j'ai 2 heures d'allemand. Ensuite 2 heures d'économie politique. Politique, c'est mon prof préféré de tous. Il est adorable, là il va partir 3 mois mais il va revenir, il va faire un voyage et tout. Ce prof il est vraiment super sympa, genre il a la main sur le cœur et j'adore. En plus j'ai eu un 5,5 avec lui là, du coup je suis trop contente. Enfin c'est sur 6 en Suisse hein. Donc voilà, j'ai que des bonnes notes pour l'instant, j'ai que des 5 et des 5,5 et tout. Et un 4 en allemand forcément. Ensuite j'ai 2 heures d'allemand, 2 heures d'éco-politique, 2 heures de pause après, je recommence à 1h30, 2 heures de français et 2 heures de psychologie. Alors psychologie en soi, j'ai eu un 5 aussi pour l'instant. Psychologie en soi, attendez, je vous ai pas raconté. Les deux premiers vendredis de cours, donc la première semaine et la deuxième semaine, je suis pas venue en cours le vendredi parce que j'étais malade et tout. Et parce que je suis allée à Paris la semaine après parce qu'il y avait pas en côte et tout. Enfin bref, voilà, enfin pas en côte, le truc là on saute un jour, j'ai fait le pont. Et du coup, troisième semaine, bam, épreuve de psychologie. Je sais pas qui c'est le prof, je suis pas venue dans les deux cours d'avant. Et là j'arrive, la première fois que je vois mon prof c'est pour une épreuve en fait. Psychologie, j'ai jamais eu ce cours de ma vie, je sais pas ce que c'est. Donc en gros je suis arrivée et tout, j'ai dû faire. C'était sur les fiches de notes qu'ils ont fait, que les gens ils m'ont envoyé, les gens de ma classe et tout. J'ai eu 5, il y avait pas, j'avais la meilleure note de la classe, il y avait pas plus haut que 5. Donc en gros j'ai eu la meilleure note de la classe. Bref, de toute façon c'était fini. J'ai eu la meilleure note de la classe sans venir en cours. Mais est-ce que c'est censé me motiver à y aller, ça? Je comprends pas. Mais bon bref, on va pas se plaindre, j'étais quand même trop contente du coup que ça m'arrive. Mais bref, le cours de psychologie c'est hyper intéressant, c'est hyper utile pour la vie je pense. Mais après mon prof est cool et tout, mais c'est hyper compliqué la psychologie, faut franchement s'accrocher parce que on a 2 heures de cours, pendant 2 heures on fait que prendre des notes, il fait que parler, il met des trucs au rétroprojecteur et nous on note. Donc voilà, c'est tout pour ma semaine. En soi mes cours et tout ça me dérange pas, mais la classe Aurélie et Luana, ils finissent tous les jours à 3h, sauf le mardi là aujourd'hui où ils ont gym avec moi et qu'ils finissent à 5h. Donc en gros ils finissent tous les jours à 3h et le seul jour où ils finissent à 5h c'est parce qu'on a gym. C'est même pas un 5h ça. Bref. Mais bref, je suis quand même contente, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Bref, voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, même si je disais je vous ai fait attendre avant qu'elle sorte, limite on a Noël et je sors à rentrée de juin, enfin de août, enfin bref voilà. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous aimeriez que je fasse plus de vidéos comme une semaine avec moi au lycée et tout, dites-moi en commentaire. De toute façon, sur ma vidéo de une semaine avec moi au lycée, vous avez qu'à aller voir en dessous. On harcèle pour que je repasse, mais je vais refaire. Mais c'est juste que c'est un peu plus compliqué de filmer au lycée et tout. Je pense que vous comprenez. Mon dieu, mais c'est horrible d'entraîner comme ça. Mais bref, là, je vais aller au fit, donc je ne vais pas bouger de cette tenue. Enfin, oui, je vais remettre mon pull de gym, mais vous avez compris. Voilà. Bref. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un like, à me suivre sur les réseaux sociaux que je me suis fait pirater il y a 2 jours. Je me suis fait pirater mes comptes Snap il y a 2 jours, mais j'ai pu les récupérer parce que j'ai négocié avec le pirateur. À quel moment on y croit ça? Je vous ferai une story time, c'est obligé, enfin dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Du coup, ils sont toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller me suivre là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah!